Niyad d'aujourd'hui, donc nous sommes le Yudzaïn, le 17 Tishri. Le Han Mourazaken, on commence une nouvelle lettre, la lettre Rav Gimel 23. Le Han Mourazaken, ici, va dans cette lettre, il va demander aux Chassidim de faire deux études, d'étudier ensemble, entre Mincha et Arvit, d'étudier En Yaakov. Et deuxième chose qu'il demande aux Chassidim, il va leur demander d'étudier des halakhot aussi, ensemble, en tzibour. Avant cela, le Han Mourazaken aujourd'hui, il explique l'importance de l'étude quand c'est une étude avec des personnes. Il dit que les Chachamim de la Mishnah, ils nous ont expliqué qu'à partir du moment où il y a 10 personnes qui étudient la Torah, eh bien la Shrina, elle est là, à ce moment-là, la Shrina, elle réside parmi eux. Et cette Shrina, justement, elle va être tellement puissante qu'on dit que même les Malachim, ils nous disent que finalement, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, eh bien, c'est pour arriver à ce summum-là, qui est l'étude de au moins 10 personnes ensemble qui étudient la Torah. Et on voit aussi que quand on étudie la Torah, eh bien, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il va résider, et il va résider à l'intérieur. Ça veut dire que ça va être une résidence profonde d'Hachem. Hachem, il va s'impliquer. D'où on voit ça, parce que c'est marqué Vénigdashti Betor Béné Israël. Je vais me sanctifier Betor avec le mot Betor Béné à l'intérieur des Béné Israël. Et on voit que pour l'assemblée des Meraglim, on dit Ibadlu Mitor Aeda, séparez-vous d'à l'intérieur de cette assemblée. Et là-bas, ils étaient 10. Donc de là, on apprend que quand il y a 10 juifs qui sont ensemble et qui sont béardoutes, eh bien à ce moment-là, unis par la Torah, eh bien à ce moment-là, il y a la Shrina qui va résider. L'Admorazaken nous dit que, bien évidemment, même quand on étudie seul, c'est vrai qu'il y a un Srar, quand même, c'est pas tellement évident, mais les Chachamim ont trouvé des psukim pour prouver que c'est important d'étudier seul et qu'il y a, oui, la Shrina, mais quand même, l'étude seule, quand on est chacun dans son coin, eh bien, le mérite, ça va être l'intensité de l'étude que chacun va avoir. Alors que quand on est tous ensemble en train d'étudier, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas, le mérite ne va pas être en rapport avec l'intensité de l'étude. Il va être le fait que, comme on s'est mis tous ensemble, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va résider en nous.